bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 227 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Donc on avait fait Marvel Super Heroes tout court en épisode 226. Et on va jouer donc au 227. Et parce que je raconte n'importe quoi, à l'épisode 227. Et donc au Marvel Super Heroes, mais cette fois-ci croisé avec les personnages de Street Fighter. Et on va voir ce qu'on peut donner. Je m'étais un peu foiré comme une merde avec Spider-Man, avec le gros Juggernaut, là je me rappelle un peu du nom maintenant. Même si je sais plus son nom français, j'ai même pas cherché, vous savez. Et en même temps il m'avait mis une telle défaite que voilà, j'ai ravalé ma fierté et je suis parti. Donc toujours Virgin Interactive. Et on va jouer, alors est-ce qu'on a une intro comme sur le premier? No loading. Alors maintenant ça charge. Ok, le crédit, truc de fou que personne ne lit jamais. Et d'ailleurs ça te nique les yeux tellement que c'est jaune sur noir. Auto loading, memory card slot 1, no data. Oui bah oui, il n'y a pas de data. Il faut que j'y joue hein. J'ai jamais joué. Marvel Comics, Legendary. Ah donc je vous laisse. Je sais pas. Oui je vous laisse la vidéo. Allez c'est parti. The most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Marvel Super Heroes vs Street Fighter! Alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que le mec il a un chamallow dans la bouche. D'accord, oui, tout à fait, j'ai tout compris, oui, oui. C'est comme MC Chamallow de Fatal Bazooka. Pour ceux qui connaissent la période Fatal Bazooka, il y avait une musique qui s'appelait MC Chamallow qui... Donc je choisis un personnage. Cette fois-ci, je vais reprendre mon petit Captain America avec lequel je me suis fait déglinguer par Spider-Man. Et j'aimerais bien que ça cesse un petit peu. Et par contre, bah tiens, je tombe sur la petite pieuvre. Ah non, avec le mec. C'est un croisement bizarre. Donc là j'ai deux héros, j'ai Dhalsim et Captain America. Et lui il a la petite pieuvre de merde. Alors ah bah du coup je commence avec Dhalsim, machin. Ah d'accord, c'est le mec putain oui. Je sais plus comment il s'appelle dans Street Fighter. Mais il a pas ce nom là je crois. En français je ne sais plus ce que c'est mais c'est pas ça. Et en fait c'est le personnage qui a des mains, des bras enfin des mains et des jambes super longs. Il crache du feu, voilà, comme vous voyez. J'ai un peu du mal avec cette attaque d'ailleurs, il faut peut-être que j'attende qu'il soit en l'air avant de lui cracher du feu. Et c'est très pratique, avec ce personnage on pouvait cheater, c'est-à-dire qu'on pouvait attaquer tout le temps à distance, et puis l'autre en fait il pouvait rien faire si on se débrouillait bien. Et que surtout quand on joue contre l'ordi, évidemment si on joue contre une personne qui s'y connaît, elle peut parer. Mais c'était assez facile de gagner avec ce personnage. Justement dû au fait qu'il pouvait attaquer à distance. Apparemment là c'est un peu pas pareil. Alors là il vient de me dessiner une image, il me l'a montré, je sais pas à quoi ça a servi. Je ne sais pas pourquoi il a dessiné. En plus il me fait des attaques spéciales, machin hit, et je crois bien que je vais mourir. Histoire de pas changer les débuts des jeux Marvel Super Hero, je vais peut-être crever sur le premier combat. Ça serait pas très bon pour ma dignité, même si j'en ai plus beaucoup à force de me faire déchirer. Mais on va essayer d'en garder un minimum. Alors il me relance une attaque, je suis KO, premier round il a gagné, je suis une énorme merde. Pour l'instant, on va essayer de redresser ça. Alors pour l'instant il a un round d'avance, il a gardé sa vie du premier round, ça c'est toujours bon à savoir. Donc je vais peut-être pouvoir lui descendre assez facilement sa vie. Je sais qu'il y a des jeux de combat où c'est que on gagne toute la vie, donc du coup c'est moins marrant. Ouais, parce que du coup on repart à égal alors que l'autre il nous avait déchiré, on lui fait quelques dégâts mais il regarde toute sa vie donc c'est dommage. Donc là il a pas gagné sa vie et je suis refait, donc j'ai toujours mon Captain America qui est quelque part mais je ne sais pas à quoi il sert. Je voulais le prendre mais je sais pas ce qui s'est passé. Allez ouais. C'est très serré, j'essaye de gagner mon round mais je crois bien que je vais me faire défoncer. Je sais pas pourquoi je le sens bien ça. Petite poisse là, le petit sentiment qui vous dit que le premier perso, c'était pas le bon. Et je suis sûr, allez, sa vie, oui. Allez, il lui reste pas grand chose. Parce que de toute façon, si on part au troisième round, il me restera que dalle de vie. Donc. je vais perdre dans tous les cas. Voilà. Donc voilà, j'ai perdu, il y a marqué H. Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle, qui a un nom avec un H dedans? Je ne sais pas. Comme on. Non, on. On. Un nouveau mot que j'ai découvert. En anglais. Allez, on continue du coup. Non, justement, on continue. Et on va donc choisir. Ah ben on peut rechoisir un autre personnage. Je croyais que justement on allait reprendre l'autre. Donc on change, on prend Ryu et Ken. Sur qui on va tomber par contre comme ennemi, je ne sais pas. Beginner. On se met en turbo. Et on tombe sur le même ennemi. Génial. Donc espérons qu'on va le battre un peu comme Spider-Man la première fois. Allez. Taillot. Allez. Donc je joue avec Ryu. Oui, Ryu. J'ai un peu de la peine. Alors par contre, on va essayer de gagner cette fois-ci. Alors lui, il me fait des dessins. D'accord, c'est génial. Oh, par contre, Ryu, il fait des dégâts. Oh, il met des petits coups de pied là qui font très bon mot. Oh, la vie du mec, comment elle descend. Ah, tu t'as voulu me battre tout à l'heure, hein. Tu le sens, hein, tu sens ta douleur. Hein. Tu sais pourquoi tu perds. Allez. Ouh. Pour l'instant, j'ai pas trop perdu de vie, même quasi pas du tout, je crois en fait. Ou alors c'est caché par le nom. Ouais, pour l'instant, je le tue. Oh, je lui ai mis un round quasiment perfect dans la tronche, le pauvre. Je le plains, il me fait des dessins toujours, génial. Tu sais, c'est pas en faisant des dessins que tu vas me battre, hein. Tout à l'heure, ça lui a suffi, mais pas maintenant. J'ai changé de personnage, on a changé de force, on a changé de tactique, je crois. Hein. Ah, par contre, l'attaque de fou qu'il est censé me faire, mais il ne l'a pas fait. Oh, je lui mets presque une victoire alors qu'il m'a presque rien mis. Ah non, 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 casse-toi, putain, il m'a mis. Bah, c'est bon, il lui reste que dalle de vie, je pense que je vais gagner. Ou alors, je suis vraiment pas chanceux du tout, je serais vraiment poisseux si je perdais. Alors, oui, voilà, c'est bon. Il est mort, KO. Donc voilà, on a passé ce combat. Comme la dernière fois, c'est toujours mieux. Allez. No loading. Now. Now. C'est long. C'est très long. Alors, Marvel Super Heroes. Alors, oui, d'accord, la petite phrase qui dit de déchirer ta tronche. Et on va jouer contre... Oh, putain, le... Dhalsim, voilà, ben, en anglais. Et Omega Red. Par contre, lui, je le connais pas. Je suis vraiment un inculte hein, en ce qui concerne les jeux vidéo. Mais je m'y fais à force, justement. En plus, je fais des vidéos et ça me permet d'en découvrir plein. Et franchement, après, je pourrais dire « Ah oui, je connais !» Voilà. C'est pratique. Allez, donc je vous laisse le combat. Tiens, je vous laisse avec le son et tout. C'est parti. Et il aurait été dur à battre, mais j'y suis arrivé de pas grand chose. Donc, allez, on continue, on se fait encore un petit combat pour le fun, comme je dirais. Donc, allez, c'est parti. Look into, la petite phrase, hein, vas-y, pour dire que j'étais bien éclaté. Stage 3, donc on joue contre Wolverine et un autre Akuma. Non, rien à voir, je sais, bon, tant pis, j'aurais essayé, hein. Elle danse tous les soirs. Pour ceux qui connaissent pas, Makumba, Jean-Pierre Madère, ouais, des choses comme ça. Donc ouais, ça doit être ça. On est parti pour le combat. Alors bon bah, je reste, j'ai envie de dire, dans la tactique que j'avais, c'est-à-dire gagner, hein. Mais c'est mieux. Voilà. Donc je lui défonce la tronche. Pour l'instant, il a très mal, il n'a pas eu le temps de me faire trop de bobos, même si on s'attend de Wolverine qui fasse quand même des dégâts. C'est qu'il est, en train de faire un petit peu, mais ça ne suffira pas à m'achever, je pense, à moins que un retournement de situation se fasse et que je me fasse démonter. Mais il n'a pas l'air d'avoir envie de se laisser coincer dans un bord. Reste forêt. Lui, dès qu'il est pas coincé, il fait son malin et tout. Voilà. Piouf. Allez, j'ai regagné ma petite vie un petit peu. Et on continue. On va essayer de lui mettre le deuxième round d'affilée. Même si il a l'air de se défendre pour l'instant. Allez, allez, prends. Il est coincé dans le bord. Faut en profiter en fait. Tant qu'il est dans le bord, faut y retourner. Je crois qu'il est temps de se barrer. Allez. Même s'il met un petit peu de dégâts quand même de temps en temps. Hein. Il a un petit coup par-ci par-là. Petit foireux. Bon, on n'a pas vu Ken, hein. Je me back avec Ryu bizarrement. Mais c'est pas grave. Alors ma vie prend une grosse claque. Mais c'est pas grave si jamais j'arrive à le tuer. Même s'il me tue, c'est pas très grave. J'arriverai quand même à le descendre, je pense. Voilà. Voilà, il lui reste bon la moitié de sa vie. Je pense que je peux le mettre à... je peux le tuer, je pense. Il y a sûrement moyen. À moins que... Bon, bizarrement, à moins que je me fasse déglinguer d'un seul coup. Allez, j'arrive à lui mettre des coups. Il bloque tous mes coups. À croire qu'ils sont intelligents, ces sales bêtes. Voilà, la vie descend. On va gagner. Allez. Putain, arrête de te défendre. Il reste bloqué en défense. Enfin, en même temps, nous, on reste bloqué dans un coin. Il a bien le droit. Hein. On fait de l'anti-jeu, il peut faire aussi un peu d'anti-jeu aussi. Allez, voilà. Le petit coup qui était très sympa pour la fin. Et voilà, j'ai encore gagné. Et on va s'arrêter là sur ce combat pour ce jeu-là. No loading. Ouais. Voilà, donc c'est parti. Marvel, ce sera tout pour Marvel Super Heroes vs Street Fighter sur PlayStation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage One.